Bonjour, Tenakoto Katoa. L'approche de la Nouvelle-Zélande, c'était d'agir tôt et fort contre le COVID-19. Donc, nous avons commencé à fermer les frontières bien avant l'apparition du virus chez nous. Nous les avons fermées à tous les voyageurs mi-mars avec une quarantaine obligatoire. Et puis, fin mars, nous avons commencé un confinement strict pour tout le pays. Et les résultats? Ils sont encourageants et nous sommes maintenant bien positionnés pour éliminer le virus chez nous. Et ça, c'est la stratégie du gouvernement. Nous sommes convaincus que l'économie se remettra mieux pour le long terme si nous gardons le cap. Ça coûte cher. Les secteurs du tourisme et d'éducation resteront fortement impactés pendant que les frontières restent fermées. En plus, notre économie s'appuie sur un tissu de PME qui sont souvent vulnérables au choc. Mais cette semaine, la plupart de nos entreprises sont réouvertes et l'économie du pays reste résiliente, robuste, bien capable de répondre et de se remettre des impacts économiques. Le gouvernement néo-zélandais a débloqué très tôt plusieurs milliards de dollars néo-zélandais pour venir en aide aux entreprises et pour soutenir l'emploi. Cette aide s'est faite sous forme de subventions directes pour les salaires, également d'allègements de taxes sur les sociétés, voire de suppressions dans certains cas, également un soutien donné à la Réserve Bank pour un plan financier visant à garantir les prêts aux entreprises par le gouvernement et donc par la Réserve Bank elle-même. Les agences gouvernementales, comme la nôtre, New Zealand Trade and Enterprise, se sont mobilisées également très tôt et très concrètement pour soutenir les entreprises en difficulté, en affrétant, par exemple, des vols spéciaux qui ont permis aussi bien l'exportation de biens vers les marchés internationaux, mais également l'importation de matériaux, d'ingrédients essentiels aux chaînes de production en Nouvelle-Zélande. Nous avons également subventionné l'accès à des conseils professionnels de sociétés reconnues telles que PwC, KPMG, Deloitte, afin d'aider les entreprises à créer des plans de continuité solides. Et également, nous avons offert des audits individuels aux entreprises qui le souhaitaient, des cash flow clinics auprès de nos conseillers en investissement pour pallier au manque de trésorerie et leur donner des conseils en ce domaine. Nous avons créé une solution en ligne, une marketplace, qui a permis aux entreprises d'échanger en temps de crise et de mutualiser les ressources pour y faire face. Nous soutenons toujours très fortement l'accélération numérique auprès des entreprises en Nouvelle-Zélande. Bien entendu, les entreprises s'intéressent aux solutions de e-commerce, de vente en ligne, mais pas seulement. Il s'agit d'une révolution numérique plus profonde qui vise à pérenniser certains nouveaux comportements, tels que le management d'équipes à distance sur les marchés internationaux, par exemple, et je dirais toutes les solutions qui visent à aider la Nouvelle-Zélande à se rapprocher de marchés qu'elle ne peut pas visiter physiquement pour le moment. Dans l'ensemble, nos entreprises ont su prendre très rapidement la mesure de la crise. Les prises de décision se sont accélérées et certains changements importants de stratégie ont déjà pu être observés auprès des sociétés néo-zélandaises. Somme toute, la bonne gestion de la pandémie en Nouvelle-Zélande a permis une réouverture assez rapide de l'activité économique. Et la plupart de nos entreprises ont su maintenir pendant cette période les relations avec leurs fournisseurs et leurs clients internationaux. Sans sous-estimer les craintes pour leur avenir économique, les entreprises se montrent déjà résilientes et relativement positives sur leur capacité à rebondir rapidement. S'il y a des entreprises françaises ou des sociétés d'investissement basées en Nouvelle-Zélande et qui ne connaîtraient pas encore New Zealand Trade and Enterprise, qui ne travailleraient pas avec NZTE, nous aimerions avoir votre avis, donc contactez-nous. Nous sommes prêts à vous aider car notre communauté d'entreprises a besoin de travailler ensemble à l'international, de trouver des synergies pour relancer l'économie. Également, si vous êtes une entreprise exportatrice de biens prioritaires tels que des fournitures médicales, ou considéré comme essentiel à la production en Nouvelle-Zélande. Si vous rencontrez des problèmes avec les vols, avec la logistique vers la Nouvelle-Zélande, contactez-nous également car nous continuons à affréter des vols vers la Nouvelle-Zélande et depuis la Nouvelle-Zélande. Visitez notre site web
covid19.zte.gouv.nz pour avoir toutes les dernières informations sur les aides du gouvernement, tous les services que NZI pourrait vous offrir. Pour les sociétés qui travaillent dans le secteur des infrastructures, le gouvernement a confirmé ce qu'il avait annoncé en janvier 2020, soit un investissement de près de 12 milliards de dollars, de 6,7 milliards d'euros, dans d'importants projets d'infrastructures en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez vous tenir au courant sur le site infrastructure.org.nz. Il faut dire que la Nouvelle-Zélande songe déjà à l'avenir, à la nécessité de se recentrer sur la valeur des produits et des services plutôt que sur les volumes. Et donc nos entreprises ont, je pense, encore beaucoup à offrir en matière de technologie, d'aliments, de solutions santé, avec une vision très proche de l'Europe en termes de développement durable et sur l'importance du développement durable. Nous avons besoin de nos partenaires français pour nous y aider, pour contribuer à cette relance économique. Donc, travaillons ensemble, continuons à travailler ensemble. Et la dernière recommandation que je donnerai.